Bon, Philippe, tu me fais confiance et je te rappelle, de toute façon, ok? Allez, ça marche, bisous. Oh, Marco, Marco, 50 balles tu me dois pour le resto. 50 balles. Tiens. Attends, t'es sérieux, là? Bien sûr que je suis sérieux. Je te jure sur ma vie qu'on est passé au dollar ce matin. Ok, super, monsieur Martignon, je vous envoie la marchandise. Allez, au revoir. 200 tapis tongs de vendu, mon pote. Je me fais un régal. Attends, c'est quoi des tapis tongs? C'est pas ce que c'est? Ah non. Ah, ça fait fureur au Japon. Si tu veux, c'est un espèce de tapis de sol, un tapis d'entrée, et les tongs sont intégrés dedans. Mais du coup, pendant que t'as des tongs au pied, bah évidemment, il y a deux trous dans le tapis, tu vois. Mais ça sert à rien. Ah bah non, mais c'est inutile. Ah bah voilà, c'est ça. Moi, c'est nous les gars, niveau gonzesse, ça se passe comment? Hein? Ah, plutôt bien. Kaline, je lui ai tellement bourré la gueule qu'elle a cru qu'on dormait dans un bateau. Ah, c'était son rêve. C'était son rêve. Ah bah du coup, il s'est réalisé. Bah, moi, la mienne, elle pense toujours que je suis Cyril Hanouna. Elle croit que je l'invite à TPMP, tu sais. Bon, du coup, je repousse, quoi. J'ai tenté les sites de rencontres. J'ai créé 27 profils de mecs différents. Comme ça, je peux toutes les niquer. J'ai un contact à Genève là pour ton projet clandestin. Par contre, c'est 12 000 euros d'avance et en cash. Directement dans ma poche. Bah, ça me va, écoute. On parle là-dessus. Tu verras jamais l'oseille. Tu fais une très bonne affaire, mon frère. Tu vas l'avoir dans le cul, mon frère. Eh, je suis ravi de travailler avec toi. Je pense que je vais te la mettre bien profond. Vous voulez connaître la méthode pour gagner 1 000 euros par jour pendant votre sommeil? Ah oui, donc en fait c'est comme ça que tu t'y prends, tu fais des vidéos sur le net et puis tu fais croire aux gens des trucs... Oui, c'est ça, tu leur fais croire qu'ils peuvent gagner de l'argent, un match, voilà. Ah, putain, c'est malin, c'est malin. Il y a des cons partout. Hein. Et ta femme, elle va bien? Oh, ma femme, elle me casse les couilles, elle me surveille tout le temps, elle a failli me griller hier avec la petite, justement. Ah, mais c'est pour ça qu'elle était chez toi hier. Comment ça? Hein? T'es chez qui? Non. T'as fait quoi hier soir? Dis-moi. Non, t'étais avec Christelle. T'étais avec Christelle. Marco, déstresse, t'étais avec Christelle hier soir, je suis avec ta femme. Christelle là. Essayez pas de m'embrouiller, les gars. S'il y en a un, j'apprends sur ma vie. S'il y en a un qui a niqué ma femme, les gars, je vais vous niquer. Attends, est-ce que t'as déjà niqué ta femme? Non, je vais jamais niquer. Putain, je sens que vous me mentez, les gars. Non, attends, Marco. Et je t'appelle Marco. On déconne. Je t'appelle Jean. Dégage. Donc, c'est ça, c'est ta vidéo? Oui, coach en séduction. Vous voulez connaître mon secret pour séduire absolument toutes les femmes? Pourtant, y'a rien de plus simple. Bon. C'est expérimental, hein. Ah bah tenez, justement. Excusez-moi, voyez-vous là. Venez voir. Oh putain là-haut. Comment rattraper une baffe, tu vois? Elle est timide. Alors oui, c'est pas abouti. Mais avec ça, je peux me faire un max d'oseille. Oui, allô? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Oui, c'est Manu. Alors, félicitations, hein, c'est Manu du 6-9, on va doubler ton salaire. On a juste besoin de tes coordonnées bancaires, ton code Swift, ton IBAN. Et oui, je vais passer Catherine au secrétariat. Voilà, et félicitations. Oui, bonjour. Je serai là demain matin à 8h. Ah, vous serez pas déçus, hein. Allez, merci, au revoir. Oui. Oh! Premier pas en politique. Bah, oh le cochon. Confirmation du gouvernement, les gars, c'est officiel. Oh, le sommet. Mais et là, mon pote, c'est l'autoroute, hein. Non, mais oui, mais c'est parfait, c'est le panthéon des escrocs, là-bas. Ah bah là, on sait trop bien. Et puis, je vous ai trouvé deux places, en plus. Il y a pas mieux, pas être plus au sommet que ouais, ça. Ouais, vas-y, ouais. Ça sent l'oseille, là. Ça sent l'oseille. Mais alors, t'as envoyé une classe de CE1 à l'hosto. C'est chaud, ça, un peu, quand même, non? Comment t'as fait? Ouais, bon, j'avoue, ça, c'est une sale histoire. Mais attends, moi, je suis parti du principe que la glu, c'est quand même pas trop moins cher que la pâte à modeler. Tu me suis?